Ça va toi? C'est Pilote et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo les amis. J'étais en fait à l'instant en train de surfer sur le YouTube Game, tu vois, j'étais en train de regarder des petites vidéos tranquillement. Et puis m'est venu à l'idée de retourner voir la chaîne Code QG. Tu te souviens de Code QG ou pas? Bah oui, tu te souviens de Code QG. D'ailleurs au passage Code CF c'est devenu une chaîne de trailer. Une chaîne de trailer. Bon bref. Et je me suis souvenu qu'à l'époque j'étais passé plusieurs fois sur Code QG et sur Code CF. Et je me suis dit non, c'est des petits bijoux qu'il va y avoir là. Les anciennes vidéos, pour ceux qui me connaissaient pas de l'époque, c'était à base de gameplay Call of Duty. Et puis parler pendant un quart d'heure, sans montage, sans coupure, sans rien, avec une voix monotone et super chiante que tu parlais comme ça et c'était super chiant, enfin bref, avec une qualité vidéo de merde et une qualité micro de merde. Mais c'était l'époque. Je vais un peu plus développer mon histoire sur YouTube. Avant d'arriver à la chaîne Peanut là, que j'ai actuellement à bientôt 37 000 abonnés au moment où je fais la vidéo, je me suis créé plein de chaînes auparavant. Avant cette chaîne Peanut, il y a eu une autre chaîne Peanut, Peanut66240, qui est actuellement entre guillemets une chaîne Peanut en vrai, une chaîne IRL, enfin bref, mais que j'alimente pas du tout parce que j'ai pas le temps. Avant cette chaîne là, j'ai dû avoir Monsieur Stew78 qui a été entre guillemets ma première chaîne, ma première vraie chaîne YouTube, qui à l'heure actuelle est fermée. J'ai complètement fermé la chaîne et je suis bien dégoûté en y repensant, parce que j'aurais pu avoir des vidéos mais vraiment super drôles, c'est sûr. Enfin drôle, non, plutôt malaisante pour moi, mais ça aurait été drôle pour vous. Et entre ces périodes là, entre ces deux chaînes, entre Monsieur Stew78 et Peanut, en fait ma première chaîne Peanut, il y a dû avoir des modifications de pseudo. Je suis passé par Energy Bitas HD, Duck Gamer HD. Donc après Monsieur Stew HD, c'était la mode hein, la preuve dans cette chaîne que j'ai actuellement, c'est Peanut HDMG de base. Pourquoi HD? C'était qu'à l'époque quand tu faisais de la haute définition, il fallait le crier partout, tu vois. Tu faisais de la haute définition, il fallait le mettre dans ton pseudo. Enfin je veux dire, ça me paraissait logique si tu veux. Une aventure assez particulière hein. Avant que j'arrive à cette chaîne là, Peanut de 37 000 abonnés, il faut savoir que le maximum que j'ai dû faire avant c'était 2000. Je vais vous montrer aujourd'hui mes anciennes vidéos. C'est pas mes premières malheureusement, mais c'est des anciennes vidéos. Là qui sous les yeux datent de 2012. C'est quand même assez drôle, il s'est passé 4 ans, mine de rien. Ça va être très drôle, préparez-vous, ça va être malaisant pour moi, mais ça va être drôle pour vous, putain de merde. Lâchez-moi un gros pouce bleu pour cette vidéo, pour ce malaise que je vais endurer pendant toute la vidéo, et puis bah, c'est parti, le malaise est parti, allez let's go. Ah oui, donc forcément, ancienne intro Code QG, avec qui suivra normalement la petite intro Code CF, voilà, la base, je veux dire, si tu voulais passer sur cette chaîne là, et là... Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Stew78, j'espère que vous allez bien parce que moi je suis dans une forme olympique aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est les vacances depuis 3 jours, je suis en vacances depuis vendredi, pardon, j'en perds mes mots tellement je suis ému, non mais sincèrement, je suis en vacances depuis vendredi, tout se passe bien pour le moment. En plus aujourd'hui on se retrouve pour un petit commentary dans live sur Call of Duty Black Ops sur la map Arrêt. On va mettre pause. On va mettre pause. Deux secondes. Non, j'ai juste déjà envie de quitter la vidéo, clairement. Est-ce que vous avez entendu? Alors, on reconnaît ma voix. Déjà, t'as vu cette qualité de gameplay ou pas? Attends, on va mettre le gameplay, mais sans le son. Regarde, mec! Regarde cette qualité de gameplay! Regarde-moi cet overlay que je m'étais créé, que j'avais mis en bas, là. Monsieur Stew78, un truc dégueulasse! Tu vois même pas à quoi ça ressemble? Tu vois même pas c'est marqué quoi, en fait, dessus? C'est bien marqué Monsieur Stew78, hein, donc c'était bien... Ouais, c'était moi. Salut. On est au 22 février 2012. C'était moi, bonjour. Et en haut, du coup l'overlay Code QG, donc lui qui est beau hein, qui était à la mode à l'époque, tout ça, enfin bref, on mettait toujours des overlays, ça faisait stylé. Et cette honte, t'as vu dans ma voix quand même. et puis en fait là t'as 4 minutes de gameplay, ça va parce que je faisais généralement des vidéos courtes, j'aimais pas les vidéos trop longues, parce que déjà parler pendant 4 minutes sans bafouiller, sans faire une faute de français, sans faire une faute de frappe ou je sais pas trop quoi, tu vois, fallait vraiment, moi je me concentrais avant mes vidéos, c'était en mode Et dès que je ratais, je coupais Audacity et je recommençais mon enregistrement vocal. Jusqu'à ce que, pour moi, les 4 minutes, parce que j'avais le gameplay en différé, bien sûr, jusqu'à ce que les 4 minutes, elles soient, entre guillemets, pour moi, parfaites. Où j'ai pas bafouillé, rien du tout. Enfin bref, c'était un délire. Un délire. Je vais remettre, hein, mais ça me fait mal au cœur. Hein. Je me suis dit, allez, on va faire un petit gameplay. Je fais un gameplay plutôt pas mauvais. Je vous propose. J'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, moi, je suis vraiment content. Je suis vraiment content d'être là et je suis vraiment content de vous commenter. Ouais. En plus, ça fait plus d'un mois. Nat, tu as entendu le. Alors, attends, respire, ça va bien se passer. Voilà, un petit peu, non, environ un mois que j'ai pas eu internet. Je retrouve ma ligne internet, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content, j'ai une forme olympique, je suis motivé, j'ai la patate. Oh, le gars, il est au taquet, quoi. Il a sorti tous les adjectifs qu'il pouvait trouver pour décrire sa forme. Il était au taquet, quoi, le gars. Il était là pour claquer des culs sur YouTube et buzzer, quoi. Bah, ça s'est vu, hein. Tout de suite après, j'ai changé de chaîne, donc bon. Tout est bien pour vous faire cette petite vidéo. Ouais. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cela. Dans tous les cas, moi je vais faire une brève parenthèse en parlant de ma chaîne. Ah. J'ai repris ma chaîne YouTube aussi, chaîne YouTube qui s'intitule Mister Stew78, n'est-ce pas? Et ça faisait au moins 9 mois que j'avais pas été sur cette chaîne. Ah. Donc je l'ai reprise, j'ai refait un petit logo à l'aide de mon graphiste, bien sûr. Ah.
Oh non, à l'aide, non, j'ai pas pu dire ça, à l'aide de mon graphiste. Mais quel graphiste, gros, tu te crois où? T'as 300 abonnés sur ta chaîne, tu parles de graphiste, mais redescends, mec. Non, je vais remettre. Donc je l'ai reprise, j'ai refait un petit logo, enfin à l'aide de mon graphiste, bien sûr. J'ai fait un petit logo. Bien sûr, comme si c'était vraiment logique. Attends, tu me prends pour qui? Je vais reprendre cette chaîne. J'ai actuellement 330 abonnés. Oh là là, juste ça, ça me fait drôle de me dire que c'était même pas ma chaîne là, ma chaîne Pinot à 37 000. C'était donc une autre, vous l'avez bien compris. Mais 300 abonnés, 300 abonnés, et j'étais fier. Et je passais sur Code CF quand même, donc j'avais de la chance, enfin entre guillemets, oui, j'avais de la chance, j'étais content. Je me suis dit, ça y est, je vais gagner plein d'abonnés. Et oh là là, ça me fait tellement drôle d'écouter ça. Je vous propose de regarder tout de suite une autre vidéo. De l'époque. Donc là c'est pareil, c'est Trailer FR, c'est anciennement donc Code CF, qui comme je vous l'ai dit est maintenant devenu une chaîne de trailer. Et ça c'était donc moi, encore une fois. C'est parti. Donc intro à l'ancienne. Oh là là, qu'est des bons souvenirs. 29 août 2011 les amis. On est là au 29 août 2011 bordel. Regardez-moi ça, vous allez le voir ou vous allez pas le voir? Merde, vous le voyez pas. Du coup j'ai mal fait le cut, enfin bref on s'en fout. 29 août 2011, Énergie Bitas HD, je vous en parlais. Regardez-moi l'intro. Salut tout le monde. Oh là là, le malaise. Franchement, après t'as vu le lien en dessous, Énergie Bitas HD, Monsieur Stu 78, voilà, bref. Ça c'était où j'avais Monsieur Stu 78 en pseudo de chaîne, mais j'avais changé mon pseudo, je sais pas pourquoi, je m'étais fait un kiff. Et donc ça, il y a eu un changement, du coup. Ça veut dire que là, 29 août 2011, la chaîne avait déjà bien au moins 6 mois, donc ouais, je suis arrivé quand même sur YouTube en début 2011, hein. Putain de merde, début 2011. Bref, allez, on continue. Salut tout le monde, c'est Énergie Bitas HD. On va se retrouver sur mon... Salut tout le monde, c'est Énergie Bitas HD. Oh non, Pinot, t'as pas droit. Warfare 2, en mêlée générale sur Vastland. Alors je joue avec l'intervention balle chemisée. Mytho. Enfin si, c'est l'intervention balle chemisée. Mais quand tu vois en haut à droite, c'est marqué quoi? Wu-Tang for Life. Dédicace à toi si tu regardes cette vidéo, mec. Tu m'avais gentiment passé un de tes gameplay au sniper pour que je puisse passer sur Code CF. Je montais un petit peu, mais c'était voilà, tranquille, c'était pas méchant. En atout, j'ai passe-passe pro, force d'opposition pro et visée solide. D'accord. Et donc, je vais faire un gameplay plutôt pas mal, vraiment pas mal du tout, même. En mêlée générale, c'est vrai que c'était vachement bien. Voilà, ouais, le mec sait pas trop quoi dire, tu sais, tu sens qu'il a pas l'habitude, tu sens qu'il est pas à l'aise. Il parle pas aussi rapidement que maintenant et aussi, je sais pas, aussi facilement. Et voilà, c'était bien, comme il disait, c'était bien. Moi, ce qui m'intéresse aussi de voir, c'était comment je concluais mes vidéos avant. Tu vois ce que je veux dire? Alors, quand je disais au revoir ou je sais pas si je disais mets un pouce bleu ou un truc comme ça. Bon allez, tu m'as saoulé, je vais passer à la fin. Alors hop, on va passer dans les dernières secondes. On va écouter un petit peu la fin. Marqueur, fail. Et Quizcope, voilà, dernier kill. Je suis du 30-0. Alors bon, bah voilà, je suis premier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, j'ai pris un réel plaisir à commenter cette vidéo et à la faire. N'hésitez pas à aimer et vous abonner. Et puis, bah moi, je vous dis à bientôt tout le monde. Allez, ciao, bye bye. Ça va, il y avait toujours... Il y avait de l'entrain, il y avait quelque chose. Il y avait un petit truc, tu vois, déjà. Il y avait, je sais pas quoi, mais il y avait un truc quand même, hein, pour avoir 300 abonnés. Il y avait un truc. Bref, putain, on va essayer d'aller voir. Donc ça, c'était sur Code CF. Mais j'ai dû passer avec Peanut. Mais c'était à l'époque quand même. Mais j'ai dû passer sur Code QG. Mais avec Peanut. Oh là là, Madame Peanut qui commente il y a 2 ans. Oh là là. Madame Peanut qui commente. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier commentary sur un gameplay. Donc de Monsieur Peanut, un gameplay réalisé sur Black Ops premier du nom, Black Ops PC. Vous voulez savoir la vérité? Vous voulez savoir vraiment la vraie vérité? J'avais écrit tout le commentary sur une feuille. Tout ce qu'il fallait qu'elle dise, je l'avais écrit sur une feuille. Et du coup, elle avait lu la feuille. Pour commenter une vidéo pour que je puisse passer son code QG. L'escroc. Et je vous jure, c'est vrai. Je m'étais dit, Code QG, c'est la chaîne où tu passes, tu gagnais la blinde d'abonnés à l'époque. Je m'étais dit, franchement, s'il y a une fille qui commente un gameplay Call of Duty, c'est sûr que la vidéo va passer sur Code QG. Du coup, j'avais moi commenté, et après, je m'étais réécouté, et j'avais tout écrit ce que j'avais dit. Du coup, elle avait pris la feuille. J'étais sorti de l'appartement parce qu'elle avait pas osé enregistrer pendant que j'étais là, dans la même pièce qu'elle. Je suis sorti de l'appartement pendant au moins 20 minutes, une demi-heure. Le temps qu'elle commente, elle a resté une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'elle me dise, c'est bon. Et du coup, bah voilà, j'ai fait la vidéo et on est passé sur Code QG. Putain, des bons souvenirs. Alors, du coup, Code QG, par Peanut, tentative, nanana, MME. Regrouper les trois plateformes en une seule, finalement, parce que j'ai envie de dire, je joue sur un PC,
avec une manette de PS3 et des configurations d'Xbox. Donc c'est plutôt marrant à regarder quoi. Enfin bref, donc on est bien sur PC, je vous l'accorde. Et on va assister quand même à un... Tu m'énerves, à t'entendre j'ai envie de te mettre des claques. Je sais pas qui t'es hein, mais j'ai envie de te mettre des claques. Ah ouais d'accord, là en fait c'était un débat, machin, on parlait des consoles ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, c'était déjà, il y avait déjà du mieux, mais la qualité du gameplay. Je suis en HD. Allô, je suis en HD. Oh là là, c'est dégueulasse. Oh. Et ma voix est dégueulasse. Ah ouais, celle-ci, je m'en souviendrai tout le temps. Oh là là, celle-ci, elle était monstrueuse. Là, on est au 4 avril 2012. La chaîne Pinote que j'ai actuellement date de 2013, la création. Bonjour à tous et à toutes, c'est Pinote. Comment allez-vous? Écoutez, pour ma part, je vais extrêmement bien. Aujourd'hui, je ne vous propose pas d'épisode pour ma série Seul contre tous. Oh là là, putain, j'aime pas ça, le malaise. Je me sens vraiment mal à l'aise d'entendre tout ça. Là, la qualité du gameplay était déjà nettement supérieure. Bon, color correction à fond les ballons. C'est rapide, effectivement, c'est relativement rapide. Ouais, là, déjà, j'étais beaucoup plus à l'aise. On sent que j'avais un débit de parole plus rapide et j'étais quand même plus à l'aise. Oh là 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 là. Ça, c'est énorme quand même. Voilà, écoutez, je peux pas vous en montrer plus. Malheureusement, vraiment, j'aurais été très content, même dans le fond, de faire plaisir pour vous montrer mes anciennes vidéos, mes premières vidéos, vraiment. Putain, ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Heureusement qu'on évolue. Heureusement qu'on prend confiance. Heureusement que le contenu, il change. Heureusement que j'ai pas continué sur ce même contenu. Mais waouh, putain. J'espère que ça vous aura plu les amis. Et puis bah si c'est le cas, un petit like ça fait toujours plaisir. Un commentaire, n'hésitez pas à m'aligner dans les commentaires. Vous foutre de ma gueule, y'a pas de soucis. C'était Pinot, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.